Salut les amis, donc aujourd'hui on va parler rapidement de rétention séminale et de vitesse de récupération. Alors juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, en général, que vous faites un exercice physique, mental ou peu importe qui est un incident dans votre vie, ça a une atteinte sur votre psyché ou sur votre physique qui fait qu'ensuite votre corps doit avoir un certain temps pour se remettre de ses émotions ou se remettre de ses petite fatigue musculaire afin de repartir pour un nouvel essai. Donc vous avez un objectif, vous avez un nombre de répétitions à enchaîner afin d'acquérir cette expérience et de devenir la version de vous-même qui a atteint cet objectif sans effort. Donc le point numéro 1, c'est de savoir que vous avez besoin de tests. Avant d'avoir ce que vous voulez, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, va vous tester pour voir si vous le méritez. Et ensuite, il va vous répéter ces cycles-là tant que vous n'avez pas compris la leçon. Ça va vous permettre de vous mouler pour le prochain niveau. Et tant que vous n'avez pas la bonne forme ou bien la capacité à maintenir ce niveau d'intensité, alors ce cycle va se répéter. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que avant chaque bénédiction, il y a une déception. Donc toujours déception avant bénédiction. Le succès, en fait, c'est quoi? C'est d'aller d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Auparavant, lorsque vous perdiez votre énergie sans cesse, vous aviez tout le temps besoin d'une validation extérieure afin de savoir si oui ou non vous étiez capable de faire cette chose. Pourquoi? Parce que vous aviez pas cette énergie masculine, vous n'aviez pas cette testostérone qui faisait que vous aimiez des challenges, que vous aimiez faire des efforts et que cet effort devenait en fait quelque chose d'appréciable, quelque chose que votre corps, que votre esprit aime afin de progresser et ensuite produire encore plus de testostérone. Donc, le fait que vous ayez des échecs et des échecs et que vous ayez un enthousiasme constant fait que vous êtes plus stable afin d'apprendre de chacun de ces échecs et afin de mieux enregistrer ces réussites. Donc vous allez échouer rapidement, vous allez échouer en avançant et vous allez échouer souvent afin de pouvoir avoir le succès. Par la suite, il faut savoir que votre attitude vient de l'intérieur. Donc il y a un proverbe chinois qui dit que si l'œuf se casse de l'intérieur, alors il donne la vie, mais si il se casse de l'extérieur, alors ça engendre la mort. L'attitude que vous avez par rapport à ces échecs, on va souvent être déterminé par la quantité d'énergie que vous avez. Je m'explique. Mettons, vous avez eu un gros effort physique à faire la veille et on vous dit, ok, aujourd'hui, vous devez repartir sur le même effort. Tant que votre corps aura des difficultés en termes de courbatures, en termes de fatigue et même votre cerveau, fatigue émotionnelle, vous allez avoir une difficulté à vouloir repartir de l'avant. Mais vu que vous ne perdez aucun fluide, que tous les nutriments se retrouvent dans votre semence, vous n'avez aucune difficulté à repartir de l'avant sans problème. Lorsque vous avez mal, lorsque vous avez un problème, c'est le corps qui dit au cerveau qu'il y a quelque chose et le cerveau vous le signale. Alors à ce moment, vous n'avez pas envie de sortir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en état. Si vous avez une maladie, vous voyez comme le mot est écrit, veut dire que le mal a dit, la mal a dit, qu'il y a mal à tel ou tel endroit. Du coup, le mot de tête fait que vous restez, vous reposez. Le mal au niveau du mollet fait que vous ne pouvez pas reprendre l'entraînement et ainsi de suite. Donc c'est très important de le comprendre comme ça. Maintenant, lorsque vous pouvez enchaîner plus facilement et plus rapidement, vous allez non seulement enchaîner vos objectifs, vous allez non seulement enchaîner vos essais et vos répétitions, mais vous allez le faire en étant content, en apprenant plus vite, et les échecs, voire même les efforts, vont vous paraître plus satisfaisants. Donc si vous êtes en compétition avec quelqu'un qui, elle, perd ce fluide, d'ailleurs même il n'y a aucune compétition, vous êtes totalement en avance sur elle, car vous êtes simplement en train d'apprécier le parcours. Et le fait de récupérer plus rapidement fait que vous enchaînez plus rapidement et vous êtes expérimenté en 2 à 3 fois moins de temps. Si un objectif vous prenait auparavant 1 an, alors il vous prendra facilement 3 mois maintenant. Qu'est-ce que j'entends réellement par récupération? La dépression, le fait d'être dépressif, est lié au fait que votre corps manque de nutriments. Si vous manquez de nutriments, vous manquez de zinc, de fer, vitamine B12, magnésium, peu importe, cela va se traduire par
une réponse au niveau du cerveau qui va vous signaler que nous n'avons pas les nutriments, mais nous n'avons pas le corps nécessaire afin de sortir à l'extérieur. Si nous sortons, nous allons nous faire tabasser, nous allons nous faire molester et nous n'allons pas avoir l'énergie pour affronter ces choses. Donc, le plus souvent, lorsque vous êtes dépressif, si vous faites un peu de sport ou que vous faites un changement au niveau de votre alimentation ou que vous avez un petit peu de soleil en plus, facilement, vous avez cette capacité à pouvoir enchaîner et à pouvoir sortir de cette dépression. Donc, la dépression n'existe pas. Comme l'a dit Andrew Tate, il explique que si vous avez une récupération physique plus rapide, que vous avez une récupération mentale plus rapide, automatiquement, vous n'êtes jamais dans une phase de dépression. Et vous pouvez enchaîner les efforts et les rejets de manière lucide pour mieux arriver à votre objectif. Donc, si toi, tu as un objectif et que tu es dans ta phase de rétention séminale, plus longtemps tu y vas, plus facilement tu atteindras ton objectif. Et avec le plus d'informations retenues, tu seras expérimenté, mais jeune et plein d'énergie. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre en quoi la rétention peut t'aider et en quoi la rétention pourrait sortir l'un de tes amis dépressifs de son cauchemar, partage, like et surtout inscris-toi. À bientôt. Peace.